Des enfants de Dieu et que nous croyons que, comme mon bien-aimé vient de le dire, dans toutes circonstances, nous devons rendre grâce à Dieu. Peu importe le moment, peu importe la manière dont les circonstances nous arrivent, nous devons toujours rendre grâce à celui qui est le maître des temps et des circonstances. Si tu meurs en Christ, tu es un homme heureux. Regarde ce qu'il a dit, que les êtres, tous ses œuvres vont le suivre. Ça veut dire quand nous allons accompagner notre ami, toutes ces œuvres qu'il a faites vont le suivre. Amen. Voilà la raison pour laquelle les Thessaloniciens nous dit que nous allons nous raconter. Quand nous allons nous raconter encore dans la résurrection, on sera dans la félicité. Alléluia. Amen. Je te conseille aujourd'hui, si tu n'as pas encore reçu Christ dans ta vie, recevez-le. Nous voulons une fois encore te bénir. Te rendre la gloire. Exalter ton Saint dans notre Père. Qu'il puisse arriver que toi, tu l'aies permis, notre Père, notre Dieu. Nous croyons, Seigneur, dans ce moment douloureux, Père de gloire, pour la famille, pour l'Église, pour les amis, notre Père. Toi, tu es là. Nous voulons, Père de gloire, te recommander cette famille qui est restée. Cette femme qui est restée veuve.
ces enfants qui sont restés orphelins de mère. Ta parole déclare que ton esprit, c'est l'esprit consolateur. Prions que le Saint-Esprit des dieux console leur cœur. Que la puissance du Saint-Esprit puisse penser ce cœur qui sont meurtris. Puisse penser ce cœur qui sont brisés, Seigneur, en ce jour, notre Dieu. Parce que c'est toi qui donnes la vie, notre Père et notre Seigneur. Nous voulons, ô Dieu de gloire, que toi, tu puisses redonner encore dans le cœur de ceux qui pleurent, tu puisses redonner encore la joie. Ô Dieu, maintenant que le Père est parti, toi le grand pourvoyeur, que tu pourvois aux besoins de la famille, tu pourvois aux besoins de la veuve qui est restée, tu pourvois aux besoins des enfants, que tu les fortifies, Seigneur, Papa, chaque jour, notre Seigneur, qu'il pensera à leur père, qu'il pensera à son mari, et qu'ils se disent, oui, Jésus est avec nous, mais maintenant il est dans la félicité céleste. Il est auprès du Père. Il se repose en paix dans le sein d'Abraham. C'est à nous maintenant de nous préparer afin qu'un jour nous puissions nous revoir. Amen. Alors, un jour, donc, en Allemagne, il y a un train. Dans le bon, vraiment. Donc, José avec nous, il y a la blague et belle, vous voyez. Je vais citer une anecdote. Voilà exactement l'anecdote. Merci beaucoup. Notre frère, c'était quelqu'un qui aimait. Merci beaucoup, frère. Il aimait beaucoup rire, même là où tu ne peux pas rire, il va te faire rire. Mes sœurs et frères, bonjour. D'abord, je commencerai par vous remercier sincèrement, du fond du cœur, d'être là parmi nous, de nous assister pendant toute cette période que nous traversons à ce moment. Merci encore de plus. José
Je suis son aîné parmi tant d'autres. Et il est né le 12 mars 1967 dans une famille de 9 enfants. Après ses études secondaires, il a passé une petite expérience dans le domaine d'enseignement. Quelques temps après, il me dira, mon vieux, je dois quitter Kinshasa pour le Niger. Je dis, je ne peux pas dire non, tu es un grand garçon, il faut se développer, il faut grandir. Il est parti au Nigeria, il est resté au Nigeria pendant quelques temps, comme tout le monde le sait. Il me dit, voilà, mon vieux, ici, ça ne va pas. Il faut que je quitte le Nigeria. Je dis, ok, on va se préparer comme tout le monde. On a fait le nécessaire. Il a quitté le Nigeria. Il est arrivé à Paris. Il est resté à Paris quelques temps avec moi. Quelques temps après, c'est un grand garçon. Il devait faire sa vie. Il me demanda, non, mon vieux, je ne reste pas ici avec toi à Paris. Il faut que je change le pays. J'ai dit, ok, qu'est-ce que tu veux? Il m'a dit, je vais choisir soit l'Allemagne ou la Belgique. Moi, j'ai dit, non, l'Allemagne, je pense, ça serait un peu loin. Je préfère que tu sois à côté, à Paris. On aura l'occasion de se fréquenter de temps en temps. Il a eu 4 enfants, si je ne me trompe pas. Excusez-moi. 4 enfants avec un 5e qui va naître bientôt. C'était pour moi un frère doux, solidaire, fraternel, sensible, artisan de paix, souriant, un homme de prière, et des fois même, il laissait toujours un bon témoignage à son passage. Arrivait toujours à trouver les mots justes, un bon conseiller, un bon serviteur, et reçoit la couronne qui a été préparé pour toi, mon frère. Merci pour le don de ta vie. Tu resteras toujours dans nos vies. Pour le monde qui t'entoure, qui t'entourait, et pour le monde qui t'entoure à ce moment. À ce moment douloureux de ton départ. Nous portons les chagrins de ton départ. Nous savons ta gaieté n'a pas été vaine. Tu deviens notre ange gardien. Que ton âme repose en paix. Je vais appeler encore la famille, pardon. La famille, il y a la sœur. Il y a encore la famille, oui. La sœur et puis l'enfant. J'ai encore 10 minutes, si vous pouvez le faire le plus possible. Donc je vais donner la parole à la famille, je vais donner un ami encore.
qui est là, et puis ça sera tout parce que le temps c'est parti. On appelle la famille, je ne sais pas, le fils, l'enfant, et puis j'aurai un ami qui est là. Bonjour à tous, merci encore d'être venus pour notre papa. Aujourd'hui, je vais vous témoigner comment papa était. Papa, c'était quelqu'un qui était chaleureux, c'est une bonne personne. Il aimait parler avec les gens, il aimait conseiller. Il n'était pas trop strict, mais niveau école, quand même, il se bat. Il était quelqu'un de confiance. On pouvait bien garder son secret envers lui. Et il nous a toujours aidé à connaître Dieu. C'est quelqu'un qui nous a fait toujours parler de Dieu. Il nous a toujours appris, chaque fois qu'on se réunissait, moi, Tania, Yann, il nous a toujours appris à parler de connaître Dieu. Et il nous a toujours dit qu'il fallait toujours rester ferme envers Dieu. Mais moi, de la part de moi, Yann et Tania, nous aimerons dire à notre papa que nous allons toujours persévérer et nous allons toujours réussir tout ce que nous allons faire, ce que nous allons faire à sa mémoire, et nous allons toujours mettre Dieu devant nous. J'ai connu José après que lui m'a connu. J'étais directeur d'un projet pétrolier au Nigeria. Je partais deux mois au Nigeria, je revenais ici. C'était pendant les années 90. Et quand il a appris que le directeur du projet était un Zaïrois, il m'a cherché, il m'a trouvé. Donc, quand on cherche, on trouve. Il m'a trouvé, apparemment, il connaissait ma famille, mais sans savoir que cette famille-là était la mienne. Un jour, je revenais en Belgique, j'étais à mon 55e jour, mon 60e jour, je devrais rentrer en Belgique. Joseph vient chez moi, je le sors, on va au bureau. Il me dit, moi aussi j'ai ma soeur en Belgique qui s'appelle Anne. Il a dit, ah bon, j'ai une soeur en Belgique qui s'appelle Anne. Mon épouse aussi s'appelle Anne. Il dit, j'ai aussi... De cette sœur-là, j'ai un neveu qui s'appelle Jimmy qui joue au foot aussi. Parce que moi, j'aime aussi jouer au foot. Moi, oui, moi aussi j'ai un fils qui s'appelle Jimmy. Et finalement, je lui dis, mais tu sais me parler de ta sœur-là? Il me dit, oui, mais je vous dirais que c'est plutôt la sœur d'un ami qui est mon frère. Donc, vous voyez que c'était un type qui était attaché à ses amis. Ses amis devenaient sa famille. Mon beau-frère, le jeune frère de ma femme, était ami à José depuis son enfance. Ils ont grandi ensemble à Kinshasa. Et finalement, je lui dis, oui, je lui montre le fauteuil. Oui, c'est justement ça. Dit, oui, c'est ma femme. Voilà comment le grand frère a parlé du Nigeria, la petite soeur a parlé, la grande soeur a parlé de. C'était un homme, quand il veut quelque chose, il a. C'est comme ça que José nous parlait de son projet de quitter le Nigeria et de la Belgique. Et voilà, je m'arrête là, on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui. C'était pour moi un beau frère, un jeune frère. Il m'appelait toujours Lyonnais. Et voilà. Donc, nous ne l'oublierons jamais. Amen. Ceux qui n'ont pas de moyens, regardez ceux qui n'ont pas de moyens. Je ne suis pas encore prêt. Soit tu es cimetière, c'est tout fait ici. Même à pied, tu es arrivé. Ceux qui ont des voitures, ils peuvent aider les autres. Nous allons un chantal pratique, respecter le corps, attendez d'abord que le corps sorte et nous continuons par après. Alléluia, 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 Alléluia,
les anges m'aiment. Je dois partir dans ce contrée lointaine que j'ignore encore. Là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en adorant. Ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire, à Jérusalem. Papa, sur la caméra. La partir sans vous prévenir, pour vous faire mal. La partir pour nous. Merci pour avoir pris la chance. Merci beaucoup, Alanda, pour le Noé, pour les vraiment, les barbes, les lazos, 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 les partir, je dois partir. À partir sans vous prévenir, pour vous faire moins mal. À partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. À partir, je dois partir. Alléluia. Donc, tope si nzambe merci. Toye komema tokotika ndeko na biso na esika na ye ya suka. Et nous voulons avant toute chose tout ça là. J'ai deux choses à faire avant que nous puissions aider toto ya ndeko na biso ou. Pourquoi je dis je? Parce que je suis le pasteur de Boitou, celui qui l'a conduit jusqu'à la fin. Je suis dans la joie pour mon frère. Et c'est mon langage à dire, la chose la plus importante dans la vie d'un homme, c'est le salut. Peu importe la manière dont il avait commencé sa vie, moi je suis très content de l'accompagner jusqu'à la fin de sa vie. Et il était un frère pour moi. Même le jour qui a précédé sa mort, on est resté au téléphone. Apôtre Nengenini, apôtre Tosololi, Tosololi. Et puis, non Seigneur, merci parce que on a fait le travail qu'on devait faire. La Bible me dit dans le livre de Philippiens, chapitre 1, le verset 21,
Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Ce qui Yesu Azabo Boinayo fait que vous allez tomber. Et je crois qu'une des raisons pour lesquelles les gens ont peur de la mort, c'est simplement parce qu'ils ne savent pas d'où ils vont y aller. Mais quelqu'un qui est déjà préparé, quelqu'un qui sait qu'après cette journée ici sur la terre, je serai reçu. Alléluia. Donc, nous bénissons Dieu pour la vie de notre frère. Ce n'était pas un homme hypocrite. Même quand il y avait un problème à l'église, il venait me voir, apôtre, est-ce qu'on ne peut pas? Donc c'est vraiment quelqu'un qui, quand il avait un problème, il faut s'attendre qu'il allait venir l'aborder. Et c'est vraiment une joie pour nous. Zambé Apa Molama. Tant que Bananangaba Yokati que papa Joseph Koufi, Azaria, il a tellement pleuré, il a dit papa, mais c'est lui qui était tout le temps là, chaleureux avec moi, il me serrait. Nabisenga Lobinor, c'est le temps. Dieu a permis que Akene va nous soubakoufoua Ranadier, ça va me souvenir 3 ans. La plus importante, c'est que Akeye pas un Zambé. Il était préparé, il est bien parti. Et c'est à nous maintenant de rester dans la Nakatianzabé Rapito Kenemalam. Je voulais aussi prier pour notre sœur, Maman Hélène. Azalaki, moi si, il y a José Boitou jusqu'à ce moment. Famille ayez billet. Abalanaki na coutume. Et nous, l'église, nous reconnaissons la coutume. Toujours reconnaître la libala ya coutume. Yango le pola. Jusqu'à ce que la mort puisse les séparer. Aujourd'hui, il y a un engagement vis-à-vis de José Boitou. Azala libre, il y a pour continuer Vinaye. Ça me a pas pour la Vinaye, ça me a pèsé ma casse pour la bana. Et que Vinaye est que les et je voudrais aussi prier pour tous les enfants de papa José. Totikabana entre les mains de Dieu. Je sais que les hommes de Dieu ont déjà prié dans la salle, mais moi aussi, je vais faire aussi la même chose ici, devant le cercueil, pour que la destinée et la vie de ses enfants soient glorieuses. Alléluia. Maman, viens, je prie pour toi. Alias et Zali, je prends ton attaque pour Alias. Mais le coup, la famille soit qui Éternel Dieu de gloire, je bénis ton Saint-Nom. Je déclare Hélène libre de tout engagement avec le bien-aimé qui est parti, José Boitou. Et cela dans le nom puissant de Jésus. Je viens briser à cette terre le lien de l'âme qui attachait Hélène avec José. Je dis qu'à partir d'aujourd'hui, ils sont séparés. Ils ne sont plus mari et femme. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je ne permets à aucun sorcier, à aucun esprit maléfique de venir utiliser l'image de José pour venir déranger la vie d'Hélène. Je déclare la séparation aujourd'hui dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, ma sœur, je te déclare libre. Que Dieu te bénisse et que Dieu te protège. Que Dieu te donne au-delà de ce que José pouvait donner dans ta vie. Tu es libre pour vivre ta vie et pour accomplir ta destinée. Que Dieu te donne la force pour faire grandir ses enfants. Que tu vives longtemps pour voir tes enfants et tes petits-enfants. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je le déclare. Amen. Amen. Éternel Dieu de gloire, Dieu le Père des orphelins. Zambé naeko tikaba naya José namaboko nayo. Naeko recommander ses enfants entre tes mains. En ce moment où leur papa est parti, ce n'était qu'un papa biologique. Le vrai père c'est toi, le Dieu des orphelins, le père des orphelins. Seigneur, je recommande la vie et la destinée de ses enfants entre tes mains.
consolation na yo ezala likolo ya bana oyo bangusa mpinzo na miso et penser pota na katabitema yawe na tiki bana oyo na maboko na yo sur la vie de ses enfants. Je déclare la couverture de ton esprit, couvre-les par ton esprit et couvre-les par ton sang, que ces enfants soient invisibles contre les attaques du monde des ténèbres. Je le déclare dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Que ce soit l'enfant qui est dans le sein de sa maman, ainsi que tous les autres. Seigneur, je le couvre de ta grâce et de ta bénédiction. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Ok. La scène à papa Henri, pour ça la prière, pour qu'on a vu ça, j'ai oublié. Image naïe, esprit mon côté pour banda pour utiliser un mot. Tout seul va que nous autres, nous faisons mais merci parce que nous croyons que c'est le plan de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Mais s'il y a quelqu'un qui était derrière, s'il y a une puissance maléfique qui était derrière, il a échoué parce qu'il ne va pas utiliser ce corps. Amen. La chair de José ne sera pas une nourriture entre les tables du mal, les ailes des démons. Nous sommes couvririés par le feu. Nous sommes déclarés que l'image n'a pas été dans le monde à ténèbres que vous allez utiliser. Amen. Éternel Dieu, la Bible dit, tu es poussière, tu retourneras poussière. La parole, ta parole s'accomplit aujourd'hui dans la vie de José. Père, je déclare, toute personne qui viendra faire des incantations sur les tombes de notre bien-aimé pour utiliser son image, que le feu de l'Éternel s'abatte sur lui. Amen. Que la foudre de l'Éternel s'abatte sur lui. Amen. Seigneur, au nom puissant de Jésus, nous croyons maintenant que son âme, son esprit et son corps, Éternel Dieu, est caché dans les seins d'Abraham. Amen. Parce qu'il est mort en Christ. Amen. Nous déclarons notre Dieu. Toute personne qui déclarera des paroles de malédiction, Seigneur, sur cette tombe, que la malédiction retombe sur lui, retombe sur ses enfants, jusqu'à la quatrième génération. Seigneur, au nom puissant de Jésus, nous couvrons cette tombe, Seigneur, nous couvrons ce cercueil par le feu du Saint-Esprit. Que toute puissance, que ce soit la puissance de la sorcellerie, toute puissance démoniaque qui osera utiliser l'image de José pour apparaître aux uns et aux autres, Seigneur. Que l'épée de l'Éternel les détruise. Que l'épée de l'Éternel la batte. Seigneur, au nom puissant de Jésus. Et nous croyons et nous déclarons qu'il est venu de la poussière, qu'il est retourné poussière à l'Éternel, mon Seigneur. Père, merci, parce que c'est toi qui as fait toutes choses. Merci, Père de gloire, parce que nous croyons, ce n'est pas la volonté d'un sorcier, ce n'est pas la volonté d'un homme, Seigneur, parce que rien ne peut t'arriver que toi, tu l'as permis. Laisse que la gloire et l'honneur te soient rendus. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Oh, my God.
Alors, le pasteur Basali Nzambe, Nzambe li pona yo, ba libéré yo, esprit moko ya mabe ko landa yo. Na kombo na Yesu. Dokundi yo, yo na kombo ya communauté na biso nyoso, na kombo ba famille na biso nyoso, to tikyo okende en paix. Que ton âme repose à Dieu José, que ton âme repose à Dieu. Voilà. Je pense que je n'ai plus rien à dire. Voilà.